As-tu déjà pris le transport à faute? Ce n'est toujours pas mon problème. Si tu arrives ici chez nous pour ta première fois, commence par t'abonner parce qu'ici nous parlons de vraies opportunités. Tu vois, ce système de transport, c'est le meilleur système de transport au monde. Il est le meilleur en termes d'efficacité, de capacité, pollution dans le monde. Ce système de transport, juste le transport, ou encore transport à cordes, a aujourd'hui deux centres d'Est dans le monde. Un premier centre en Biélorussie, à Marina Gorka, et un deuxième centre aux Émirats Arabes Unis. Il est écologique. Ce système de transport est écologique, économique, et s'adapte facilement dans n'importe quel environnement. Dans cette technologie, il y a plus de 15 modèles de véhicules pour le transport des passagers et aussi pour le transport des marchandises. Cette image, c'est une mini flash et aller jusqu'à 500 km par heure, passer même sans faire bouger les feux des nappes, c'est magnifique. Comme je disais, il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète. Qui ne voudrait pas d'un système de transport pareil qui peut permettre d'économiser jusqu'à 10 fois moins d'argent pour le construire que pour construire tous les autres systèmes de transport conventionnels? Alors, qu'est-ce que tu attends? Une fois de plus, je reviens te parler de ce transport parce que tu as encore la possibilité de devenir copropriétaire de cette technologie. Nous créons l'un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins Skywalk Community aujourd'hui et ensemble, construisons le transport du futur, évalué à plus de 400 milliards de dollars. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire où nous parlerons de la technologie des transports à cordes. Je suis très content de vous voir ce soir. Et dans ce webinaire, aujourd'hui, nous parlerons de ce transport à cordes et des différents avantages qu'il apporte. Nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes des systèmes de transport actuels et les possibilités et perspectives du système de transport innovant U-Sky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Quel avantage et perspective donc vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Nous le verrons dans cette présentation. Et pour finir, nous parlerons de quelques dernières nouvelles dans ce projet. Alors, commençons. Alors, je suis Donatien Gérard, bien évidemment, et j'ai rejoint ce transport à cordes depuis 2018. Aujourd'hui encore, je continue à participer à l'avènement de ce transport écologique et si je continue à apporter ma contribution pour que ce transport se termine et voit le jour. Quand je dis voir le jour, c'est que nous achevions toutes les étapes de développement prévues dans son processus. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un transport écologique qui est le transport U-Sky. C'est un transport qui se déplace au-dessus du sol, sur des rails à cordes à haute résistance. La structure de la voie est au-dessus du sol. Le transport donc est alimenté aussi en électricité et sans polluer l'atmosphère. Le transport à cordes peut être construit dans n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. La sécurité. La structure de trajet est située au-dessus du sol. Cela augmente donc la sécurité de près de 100 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter
tous les facteurs humains, pas d'embouteillage. Écologie. Le transport jusqu'à y être alimenté par l'électricité. C'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants de l'atmosphère. La production de toute l'infrastructure demande beaucoup moins de matériaux et de matières premières que toutes les autres technologies de transport. Parlons de l'économie. Les frais de construction des voies. Les frais de construction des voies Yuskay sont jusqu'à 20 fois moins élevés que pour tout autre type de transport. La vitesse de déplacement, on va jusqu'à 500 km par heure avec ce système de transport pour le transport à grande vitesse, le flash. C'est deux fois plus vite que Sapsan, le train le plus rapide de Russie. Jusqu'à 150 km par heure pour le transport urbain. C'est deux fois plus vite que le bus. Alors, l'un des défis pressants du secteur des transports aujourd'hui, c'est la croissance constante de la population dans les grandes villes. L'utilisation croissante des transports aggrave les problèmes de congestion, de trafic, d'accidents et de pollution. Donc, les quatre principaux problèmes que rencontrent les transports modernes aujourd'hui sont la destruction de la nature, les embouteillages, le taux d'accident de transport et la pollution de l'environnement. Aujourd'hui, afin de combattre ces différents problèmes, plusieurs tentatives de solutions existantes se sont toujours avérées inefficaces. Alors, voici donc ce que la technologie Yuskay propose. La compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers. Nous avons l'U8, l'U-Bike, l'U-Bus et l'U-Truck. Alors, voici une autre vue de ces différents. On a aussi l'U-Compte, l'U-Car pour les transports. On a l'U-Compte, autant pour moi, l'U-Trans pour le transport de marchandises. Voici donc une image qui montre ces différents modèles de transport. Aussi, une autre image ici qui permet de voir de plus près l'U-Win avec ses différentes caractéristiques. C'est magnifique. Ici, nous avons donc l'UniWind. Là, nous avons l'UniBike, qui est un véhicule électrique de tourisme léger hors-bord monorail avec capacité de deux places qui va à 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative à la voiture, au vélo ou même à la moto. Ici, nous avons l'UniBike. Et de ce côté, nous avons l'UniBus, UBus. Véhicule électrique de tourisme également destiné au transport urbain et interurbain, capacité 14 places, une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure. Nous avons ici un U-Bus, un autre modèle. Ici, nous avons une Unicar, un autre modèle également, qui a une vitesse qui peut aller jusqu'à 150 km par heure. C'est un véhicule électrique de passagers à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Il fournit plus de trafic que les trains et les avions conventionnels massifs et même coûteux. Ici, nous avons donc une autre vision de l'UCAR, 3x6 places. Ici, nous avons une UNICAR, toujours, mais en version tropicale. Il a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et humides, élevé afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. C'est pourquoi on dit qu'il est amélioré. Donc, ici, c'est une vue plus proche de cette Unica magnifique. Ici, nous avons donc une image claire du curateur régional pour le Cameroun qui est dans cette Unica tropicale. Et bien évidemment, j'ai pu entendre de lui dans notre conversation que cet intérieur est énormément magnifique, extraordinairement magnifique. On dirait une première classe en avion. Ici, nous avons un U-Flash, qui est un véhicule électrique de tourisme suspendu sur roues en acier,
conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. Une capacité de 6 places. Vitesse de déplacement. Elle va jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse sur Sky. C'est deux fois plus vite que Sapsan, nous l'avons dit, le train le plus rapide de Russie. Ici, nous avons le fonctionnement d'un nuflash pendant 25 ans permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Ainsi, 1000 nuflash avec l'aérodynamique unique, les propriétés peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. Qui ne voudrait pas d'un tel transport? Qui ne voudrait pas faire de telles économies? À la fois, plus de 70 millions de tonnes d'oxygène atmosphérique ne seraient pas brûlées et plus de 100 millions de tonnes de polluants ne seraient pas jetées dans l'atmosphère. Ici, nous avons une image, bien évidemment, toujours du curateur régional pour le Cameroun, ici à droite, à gauche, ma gauche, du curateur régional pour le Cameroun avec le fondateur, le CEO du docteur Anatoly Nitsky qui est à l'origine de ce projet. Ici, nous avons l'image du Ghana. Ici, nous avons du Nigeria. Donc, nous avons cette image pour vous montrer que nous avons affaire à une technologie réelle, avec des personnes réelles, avec des leaders réels qui soutiennent ce projet de différents pays. Alors, ici, nous avons le transport de marchandises. Ce système de transport est conçu pour transporter des marchandises sur des distances de 500 km par heure. De 500 km, autant pour moi. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner sur toute l'année dans diverses conditions climatiques, dans les endroits éloignés et inaccessibles même, dans des zones de haute altitude et des zones désertiques, dans la jungle et sur des plateaux marins. L'unitruck. Ici, nous avons affaire à un unitruck qui est spécialisé dans le transport des marchandises en vrac à une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure avec chargement et déchargement automatique. L'UCONT est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 pieds et 40 pieds. La vitesse de transport maximale est de 150 km par heure. Le chargement et déchargement est automatique. Le contrôle et la vitesse et de l'itinéraire est assuré par le système de contrôle automatisé. Ici, nous avons affaire à un U-Trans. C'est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et de déchargement des terminaux portuaires maritimes. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants des matériaux en vrac, tels que du sable et des petits cailloux. Les ports maritimes. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de marchandises jusqu'à dans le port maritime. La livraison de marchandises en vrac liquide est encombrante à distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. L'amarrage des grands navires ne nécessite pas la création de murs, de quais, de dragage ou de renforcement à terre. La ville linéaire en union avec la nature se présente comme celle-ci. Les pistes U-Sky contribuent au développement de villes linéaires. Les villes linéaires U-Sky peuvent être construites dans des montagnes, dans des zones désertiques et inondées, y compris avec un terrain difficile, ainsi que sur le plateau marin. Lors de la construction de villes linéaires, il ne sera pas nécessaire de couper les forêts, de construire les voies ferrées et de perturber d'autres et de perturber la biocénose dans la zone de développement. Voilà.
Ici, nous avons une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures Sky intégrés utilisant les technologies brevetées de rail et Sky et le viaduc du Sky. Ceci est une maquette. U-House, verte, écologique et durable, la seule aux Émirats arabes unis entièrement construite en bois. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiales. Comment fonctionne donc cette technologie? Alors, cette technologie fonctionne donc sur des rails à cordes à haute résistance, comme on l'a dit. Vous avez la structure du rail avec les différentes parties sur ce schéma. Vous voyez ici, il y a des rails, okay, à cordes, des cordes autant pour moi, qui sont des faisceaux de fils pré-d'acier pré-contraint. Nous avons le corps du rail. Nous avons ici le remplissage qui est un béton spécial et nous avons la tête du rail. Ici, avant de continuer, j'aimerais que nous fixions bien le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain difficile et les zones faibles et de pergélisol, ainsi que les régions sujettes aux tremblements de terre et des zones inondables. La technologie de transport à cordes est 5 fois plus lisse et 3 fois plus forte que les technologies à rail conventionnelles. Nous avons pour cela donc, grâce à cela, 3 types de structures de trajet. Une structure de trajet flexible pour des charges standard jusqu'à 20 tonnes, mode à basse vitesse jusqu'à 150 km par heure et grande portée et jusqu'à 5 km en cas d'utilisation de chaînes de composite. Les structures de rail rigides, c'est pour le transport de grands poids et à grande vitesse et celui-ci va se situer entre les villes ou la ville et l'aéroport, mode grande vitesse, jusqu'à 500 km par heure. Et pour terminer, nous avons les semi-rigides, ok, qui sont les charges utiles améliorées, mode rapide, jusqu'à 350 km par heure et petite portée jusqu'à 50 mètres. Le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci a été conçu par le docteur Anatoli Yeski et il a reçu un brevet pour cela. Le moteur du Sky peut fonctionner au gaz naturel, au méthane, à l'hydrogène et au carburant respectueux de l'environnement. Les avantages de ce transport à cordes donc. L'aérodynamisme du transport à cordes est plusieurs fois supérieur à celle d'une voiture. Regardez ici, on a le coefficient de traînée de l'UFLASH qui est 0,06 pour une voiture conventionnelle moderne, il est de 0,4. Vous voyez, une voiture roule à l'air peine assez. Une voiture roule à l'air peine à circuler normalement. Voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. La voiture de Formule 1 a un aérodynamisme de 0,2 avec les engins U-Sky circulent normalement au-dessus et en dessous, ce qui permet donc d'aller plus vite. Son aérodynamisme est de 0,06. Le fonctionnement d'un UFLASH pendant 25 ans permet d'économiser jusqu'à 22 000 tonnes, nous l'avons dit. C'est énorme. U-Sky surpasse les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas. La maintenance est très basse aussi. La consommation d'énergie est réduite. Nous avons vu l'aérodynamisme qui induit donc cette consommation d'énergie réduite. La capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que U-Sky est le système de transport le plus rentable.
L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur, Anatoly Eduardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est chef de deux projets de l'ONU. Okay. Il les a conduits en 1998-2002 et membre de la Fédération de cosmonautique de l'ISS. Bien évidemment, fondateur du groupe de société Unisky String Technologies, concepteur général de Unisky String Technologies Inc. Les premiers complexes de rail à cordes de la première génération a été construit en 2001 dans la ville d'Oziori, en région de Moscou. À cette époque, un camion Zil 101 avait été utilisé comme module de test. Ses roues étaient en acier et adaptées à une structure de voie ferrée. L'inventeur du transport à cordes a présenté son livre intitulé « Capacité de civilisation de la maison spatiale appelée planète Terre ». Il a parlé des technologies nécessaires pour une solution globale aux problèmes environnementaux de notre planète ainsi que la survie et le développement progressif de toute l'humanité. Ici, c'est une photo du fondateur avec le Dalai Lama d'un côté et de l'autre avec le docteur Sheikh Sultan bin Mohamed Al-Qassimi, souverain de Sharjah, qui a assisté au lancement du projet U-Sky dans un système de transport suspendu et UKA à Sharjah. Donc, nous avons vu cette photo du docteur Anatoly Unitsky avec le curateur régional du Cameroun. Quelques brevets, récompenses et expositions aussi auxquelles cette entreprise a déjà participé. Un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de qualité appliqué par les technologies de transport U-Sky à la norme internationale ISO 9001-2015 est inscrit au registre de l'agence de certification TÜV Thüringen. Le système de gestion de la qualité pratiquée dans la société de conception de projet permet de réduire les risques financiers, d'optimiser les procédures opérationnelles, d'augmenter la capacité de production et de réduire les dépenses de production. Un certificat international aussi confirmant la conformité des systèmes de gestion et de la qualité appliquée par la technologie U-Sky à la norme internationale ISO 9001-15 est inscrit au registre de l'agence TÜV Thüringen. Cette entreprise, Unisky String Technologies, développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. Le transport à cordes aux Émirats arabes unis a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, le support d'ancrage, les intermédiaires ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. à Sharjah. La certification passée confirme la conformité aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité du transport à cordes. Sur le long terme, cela simplifiera donc le processus de décision des coopérations pour les futurs clients du monde entier. UST Inc. est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. La Chambre de commerce et d'industrie biélorusse est une association volontaire de 2500 entreprises qui représente tout le spectre de l'entrepreneuriat biélorusse. Les petites entreprises, les entrepreneurs individuels aux grandes entreprises et holdings, ministères et comités d'État, Bel CCI promeut le développement autant pour moi de l'entrepreneuriat et accompagne les entreprises biélorusses dans leur activité économique et à l'étranger.
Jusqu'à ce que Technologies a obtenu le statut d'organisation scientifique, cette société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie fin avril. L'Institut Technologies Inc. a reçu le présent certificat que vous pouvez voir. Cette entreprise a plusieurs certificats et brevets. Et ici, c'est la diapositive. Il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. La technologie USKA a une renommée mondiale. Et pendant 7 ans, cette technologie a été présentée au public du monde entier dans le cadre de plus de 20 expositions internationales. La délégation de l'autorité des routes de transport a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon international InnoTrans BL1 en 2022. La coopération avec quelques entreprises internationales. Vous savez, qui sont vos partenaires pour permettre de montrer le niveau de sérieux de votre entreprise? Alors, l'un des grands partenaires du Uniski String Technology, c'est Dassault Systèmes, qui a aidé à implémenter la technologie 3D Experience dans la production du transport à cordes. La production des composants pour le transport à cordes nécessite des équipements modernes, ok, offerts par Dassault Systèmes, les sociétés AS aux États-Unis, Okuma au Japon. USKY, Mafelec est devenu partenaire dans la fourniture d'équipements d'éclairage et d'IHM, système de communication et de transport et de technologie de transport. La société fournira à USKY autant pour moi des boutons d'ouverture manuelle des portes pour les unibail et les unibus, ce qui réduira le temps d'embarquement et de débarquement et les coûts de maintenance des véhicules. Quelques productions et résultats. Donc, nous parlerons ici des résultats, des dernières nouvelles du projet. Alors, PC Inc. a réussi avec bravo l'audit annuel financier, l'audit annuel des états financiers individuels. Finexpertisa Bellaudit, LLC, a effectué un audit conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie du 12 juillet 2013 sur l'audit et aux règles nationales d'audit. Selon la conclusion des représentants de Finexpertisa Bellaudit, LLC, les états financiers individuels annuels 6 juin reflètent fidèlement la situation financière d'Uniski String Technologies à tout égard important. Vous retrouvez cet audit dans la section information nouvelles dans votre back office. La société BDO également est une entreprise de Biélorussie qui fait partie de l'Association internationale des sociétés indépendantes, BDO International Limited. La succursale fonctionne depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés d'audit selon le classement ministère des Finances de la République de Biélorussie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons déjà obtenu? Voici le bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, capitale de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes d'une autre entreprise. Nous avons également une zone de production en Biélorussie que nous pouvons voir ici. Le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clés du transport à cordes. La fabrication des accessoires, appareils, composants, essais, ensembles, mécanismes et appareils électroniques, tour d'essais, production des prototypes également. L'extension de la zone de Biélorussie, de production en Biélorussie. Le centre de test en Biélorussie, le voici sur 36 hectares. OK, l'éco-technoparc est le centre de mise en œuvre de pratiques de démonstration des technologies UST dans la version nord. Il est situé à Marina Gorka, en Biélorussie, couvrant une superficie de plus de 30 hectares.
Voici donc une autre vision, un autre aperçu de cet écotechnoparc-là. On voit bien là, il y a un étang, il y a des lignes de transport là, où plus de 36 délégations gouvernementales se sont déjà rendues et ont visité le centre. Vous voyez, il y a un étang là pour des visiteurs. On peut pêcher des poissons et leur faire manger ces poissons, les préparer, les faire manger pour qu'ils comprennent que ce transport est écologique. Il n'a aucun impact sur l'environnement. Voici donc d'autres images. Notre entreprise aujourd'hui combine donc 86 jusqu'à 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études et des technologies spécialisées avec une production pilote, 36 bâtiments et structures, plus de 3 000 unités de machines et d'équipements, 36 hectares du centre de démonstration et de certification et de 6 complexes de transport sur son territoire. Ici, nous avons une image du centre test à Sharjah qui s'étend sur près de 28 hectares. Dans ce centre, il y aura 4 pistes. Le début de la construction était en printemps 2019. Les premiers essais ont commencé en automne de la même année. Lors des premiers essais, il y avait les mines de Sharjah. Cette année-là, nous prévoyons de construire une piste de marchandises de 2,4 km où nous accélérons le transport jusqu'à 150 km par heure. Et en octobre, cette construction sera achevée dans le centre. Bien sûr, tout dépend des fournisseurs car la logistique, en raison de la pandémie, a un peu freiné. L'équipe technique du Nisqistin Technologies, la voici, est composée d'ingénieurs, concepteurs de projets, chercheurs hautement qualifiés, possédant une excellente formation et une entreprise, une expérience de travail dans les projets majeurs dans les plus grandes sociétés d'ingénierie de Biélorussie. Pendant cette année, le travail sous la direction du concepteur général Anatoly Nisky a réussi à former ses propres écoles scientifiques. Nous avons ici une image de la directrice générale du Nisqistin Technologies, Nadezhda Kozareva. L'équipe du Nisqistin Technologies est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation. Ici, c'est une image à Sharjah qui montre la direction vers le centre du Sky Test and Certification Center. Ici, nous avons l'équipe de ceux qui travaillent dans ce centre à Sharjah. OK, les voici. Et quelques contacts de l'équipe. Si vous voulez faire un tour en ce centre, vous pouvez les contacter à ces différents contacts et avoir un rendez-vous pour une visite. Ici, nous avons des contacts pour l'équipe de Minsk en Biélorussie. Vous pourrez les contacter donc là. Le magnifique nouveau site web de Nisqistin Technologies Inc. a changé de domaine, de nom, autant pour moi. C'est maintenant ust.inc/. Des reportages dans plusieurs chaînes de médias du monde entier. Tout un éventail de reportages sur la technologie et le transport à cordes a été diffusé à la télévision dans différents pays. Depuis lors, les grands investisseurs sont en train de se manifester. Des rapports dans les médias du monde entier. Tout un éventail de reportages sur la société a créé a été diffusé à la télévision et l'entreprise a été émergée de différents coups de fil et emails dans tout le monde entier. Regardez toutes ces chaînes de médias, c'est énorme. Le directeur général de Nisqistin Technologies parle de l'entrée sur le marché du sud-est. Ceci est l'une des dernières nouvelles du projet. La société d'ingénierie internationale Nisqistin Technologies a commencé son expansion sur le marché de l'Asie du Sud-Est et nous rappelons d'ailleurs que la signature d'un contrat intelligent avec Intelligent Transport System Indonesia permettra de mettre en œuvre des projets dans les régions pour la mise en œuvre de la nouvelle génération de transport d'estacades. Le directeur général du UST Inc.
La Desta Kozareva estime que l'entrée sur le marché de l'Asie du Sud-Est est le résultat de la demande de solutions technologiques audacieuses et de la capacité de prévoir de telles demandes. La technologie UST contribue à la formation de nouveaux environnements urbains confortables et sûrs. En fait, il s'agit de l'émergence d'une industrie de transport particulière. USK Transport donne de l'inspiration. Les technologies USK sont de plus en plus reconnues dans le monde entier. Avec l'assistance d'un de nos partenaires internationaux, Engineering Consultant, la société USK Transport and Infrastructure Technologies est devenue célèbre au Soudan du Sud. USK Transport est un logistique énergétique efficace et économique. Une grande délégation de la compagnie pétrolière et gazière des Émirats Arabes Unis et Nord, dirigée par Zaid Al-Fayed, directeur général du commerce du détail, a visité le centre d'essai et de certification du Sky. La compagnie pétrolière et gazière des Émirats Arabes Unis et Nord est le premier acteur mondial du pétrole et du gaz. Depuis le début de son existence, la société a contribué de manière significative à la diversification de l'économie et au développement durable de Dubaï. Le groupe Enoch comprend plus de 20 filiales dans les domaines du raffinage, du mélange, du lubrifiant, du stockage, du transport et de la vente du détail. Le groupe comporte plus de 9000 employés et dessert des milliers de clients sur 60 marchés. La société met en œuvre des approches innovantes avec des meilleures pratiques dans le travail avec les clients du monde entier. La société USKY s'est terminée au siège d'USKY Transport, également connu sous le nom du House Vert, qui abrite un modèle écologique de vie linéaire du City. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, nous avons encore la possibilité de contribuer à ce transport écologique. Nous sommes à l'étape 14.3 sur 15. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, rejoignez-nous parce que très bientôt, nous atteindrons l'étape 15 et après, vous n'aurez plus la possibilité de participer à cette révolution. Tout le monde peut investir, tout le monde, à partir d'un montant minimum de $50 sur un plan pratique. À partir de 2 ans, $50, vous pouvez payer sur 5 mois à raison de $50 par mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans le projet. Les perspectives d'investissement dans ce projet. Alors, en participant dans ce projet aujourd'hui, vous avez tout d'abord droit à des dividendes lors de la mise en œuvre réussie du projet. 20% des bénéfices sont répartis à tous les actionnaires sous forme des dividendes pour rachat d'actions. L'entreprise peut décider de racheter des actions plus tard. Elle a fait en 2018 pour les 5000 premiers investisseurs. L'héritage. Les parts sont votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants et petits-enfants. L'entrée en bourse. La valeur actuelle d'une part est plusieurs fois inférieure à sa valeur nominale qui est de $1. Dans le cas où la société peut entrer, déciderait d'entrer en bourse, la valeur de part pourrait augmenter. Vous pourrez donc revendre vos parts sur ce marché-là. Alors, vous pouvez donc suivre le projet sur nos différents réseaux, Facebook, Facebook, Instagram. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles.